She said we better off as best friends. Ooh, what's a best friend? Can you let me know what it mean to be a best friend? Let me know the next man. Here we go, better run one time for the best friend. Salut les filles, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, 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 bonjour. Salut les filles, salut les garçons. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Les plus fidèles d'entre vous savent que c'est la deuxième fois consécutive. Là, sans le bandeau des familles, je ne saurais. Donc je survis présentement grâce à mon hibiscus glacé. Mais je vous le remets dans la barre des fours. C'est évidemment très désaltérant. C'est très frais, c'est très bon, mais toutes les propriétés de l'hibiscus, renseignez-vous, monsieur champion. Et concomitamment, ma cologne de Maison Hermès, ben, l'eau de rhubarbe. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour cette toute dernière vidéo de mois de juillet, la July Fashion, qui va être extrêmement courte pour deux raisons principalement. La première, c'est que 1, j'ai acheté très peu de choses. Dans ce que j'ai acheté le plus massivement, le format YouTube, là c'est pas l'idéal pour vous les montrer, donc je prévois de les shooter en Instagram pour vous les partager dans mes stories. Et la deuxième raison, c'est que il fait, je l'ai dit, extrêmement chaud, tout est fermé, parce que la dernière fois j'ai essayé de shooter, vous l'avez vu la vidéo dimanche dernier, j'ai shooté avec les fenêtres ouvertes pour faire un courant d'air et c'était littéralement, c'est derrière vous. Donc il y avait quand même le bruit de l'extérieur. Donc pour toutes ces raisons et parce que de toutes les manières, moi je suis au bout d'un rouleau, en bout du rouleau. Je suis en bout du rouleau. Donc je vais faire le plus vite possible, mais pour autant, j'ai attrapé des choses extraordinaires. Dans un premier temps, j'ai des partages Prime, parce que sur Amazon, j'ai attrapé des choses pour beaucoup pour la maison, mais pour mes gens. Et beaucoup quelques pièces de fashion. Mais dans un premier temps, chez Mango. Donc chez Mango, les plus fidèles d'entre vous se souviennent de cette robe extraordinaire. Là, c'est l'hiver. Ben, moi, j'achète en hiver les trucs d'été, et en été les trucs d'hiver, vous le savez. Cette robe-là, qui fait un succès. Je l'ai adorée, à la seconde où je l'ai déballée, je l'ai adorée. Portée, elle est d'une grande fulgurance. Les filles, croyez-moi. En hiver, si elle est encore disponible, vraiment, attrapez-la. J'avais attrapé la marron, j'avais attrapé la même en écru. Tout ça chez La Redoute, me semble-t-il, parce que chez Mango eux-mêmes, c'était bien perdu. La matière, le rendu, avec une ceinture ou sans ceinture, avec un beau manteau, une botte, un bonnet, l'ampanchouk, le col qui est légèrement montant, la longueur des manches, elle est parfaite. Et bien tu sais pas pourquoi, ils nous l'ont décliné en pull. En fait elle existait, c'est juste que je l'avais pas vue. Et je l'ai vue grâce à La Redoute, me semble-t-il. Donc dans le premier marron originel dans lequel j'ai attrapé la robe, je me suis pris le pull. Et là où j'ai presque hâte, et là je vous jure juste de le poser sur moi, par-dessus mon t-shirt que vous aurez reconnu, les t-shirts à col bateau de chez Merak et Performé, ils sont pas trop beaux. Non mais sérieusement, prenons. Et j'adore. Là rien que le fait de le poser sur moi, c'est grave. Donc j'ai attrapé le pull, c'est la même matière, le même rendu, le même col montant. C'est pas un col roulé, c'est un col très beau, je vous mets à l'écran. Et je me suis attrapée également, tout ça c'était soldé, je me suis attrapée également la cape. La capounette des familles est assortie. Donc c'est un twin set. Ça en hiver, avec un pantalon 7/8 marron ou camel, presque rouille. Un bel escarpin ou une botte chaussette. Tu sais les bottes chaussettes qui disparaissent dans le pantalon là. Une pochette, lampagne, chourouk, un couvre-chef, c'est par où bon, les premiers frimas. C'est vrai ou pas? La cape Mango, c'est la même matière. Avec les franges et tout, c'est le poncho de la pampa. Non mais sérieux, oh là là, je vais être bien là-dedans, mais là je souffre pour l'heure, ça c'est très fort maintenant. Donc chez Mango et également, ben, j'ai pris le pull dans le même coloris écru que la robe, lui il avait pas sa cape,
Mais je suis absolument ravie de les avoir attrapés à un prix, je crois que je les ai achetés 19 euros ou que sais-je. C'était les soldes, c'était si, si bien. Très fort même. Simple, mais ils ressemblent beaucoup, je vous jure. J'ai attrapé un truc chez, vous le verrez dans ma vidéo luxe, chez Laurel Manoogian, qui a coûté quelques centaines de milliards d'euros. Laurel Manoogian, ce sont les alpagas, les trucs du Pérou et tout, c'est un luxe absolu. Mais je vous jure que eux portés, ils donnent le même rendu. Hein. Magnifique. Donc voici pour Mango, toujours chez Mango, parce que je suis chez Mango, je passe dans l'accessoire très rapidement. Merci à l'armada de Sistaz qui m'ont signalé l'arrivée d'une nouvelle tête dans les escarpins asymétriques. Audrey chez Mango, vous savez que je les ai tous. Et c'est vrai que là, ils nous ont sorti le petit corail vitaminique abricoté déformé. Elle est pas trop mimi. Là, là, sur une peau, parce que je pourrais vous dire une chose, je sais pas si vous parvenez à le distinguer là, mais j'ai bronzé ma life, hein, bien sûr. Et c'est pas fini. Donc, j'espère. Donc là, ça, c'est bien. Avec un jean, 7/8, mom ou boyfriend, tu sais. Le petit débardeur blanc, un rouge à lèvres un peu ambitieux, le blush qui rappelle le... Sur la touffe libérée, et donc une souffrance. Donc de tout cœur, merci à mes Sistaz, qui au même titre que moi sont désormais des aficionados de la Audrey chez Mango, hein, ou l'escarpin le plus confortable de l'histoire de l'humanité. Et pour en terminer avec Mango, j'ai attrapé ceci, le petit pull, tu sais, avec le col, je vous le mets là à l'écran. Ça, c'est efficace. Même pour aller dîner sur un quelque chose, un drink. Tu sais? Vous savez combien j'aime une clavicule, un épaule géante, et là c'est bilatéral. Là c'est les trapèzes, montre ta muscu. Voilà. Donc voilà tout pour ce que j'ai attrapé chez Mango. Ensuite, bon ben là c'est vrai que le, tout ce que je vous montre à partir de maintenant, je l'ai attrapé sur Amazon dans un premier temps. Et là j'ai dit mais comment? Donc c'est vrai que chaque année au Prime, parce que c'est chaque année pendant les Prime Days que j'attrape mes sweets Hugo Boss. Vous le savez si vous avez vu mon partage Prime, vous avez découvert ce Sweet Boss et ce Sweet Boss. Mais vous savez, si vous êtes vraiment fidèle depuis toutes ces années, que depuis des années, je vous partage des Sweet Boss. C'est la rare circonstance dans laquelle on voit la marque de ce que je porte, parce que j'aime pas trop ça. Mais mes Sweet Boss font l'exception, vraiment. Vous savez que j'en ai des tonnes et tout. Quand j'ai vu celui-là, j'ai dit pardon. D'une part la couleur, mais d'autre part la manière dont c'est écrit Boss. Déjà la couleur, pardon, un moutarde de cumin magnifique. Et vous voyez comment c'est écrit, Boss? Comment c'est gravé? Vous voyez ou pas? Si, même le Hugo Boss en bas, si on le voit pas bien, je vous le mets à l'écran. J'ai dit non, you need to come to mama. Il n'y avait pas le M, donc j'ai pris le L. Mais je vais m'organiser pour le laver de manière un petit peu ricrate la première fois pour qu'il se reprenne un peu. Mais là, en le regardant, j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment trop grand. Tu sais? Croyant. Oui, connaissez-vous ou pas? Croyant. Donc voilà pour ce sweat de chez Boss que j'ai attrapé donc sur Amazon. J'espère que vous avez profité. En fait, j'espère, je sais que vous avez fait des affaires de folie pendant les Prime Days. Vous le savez, 5 juillet, remplissez vos paniers. Remplissez vos paniers avant que ça n'arrive. Donc en parlant d'Amazon et en parlant des partages donc, que je vous ai partagés sur, mon Instagram, Cupshi, bah, les maillots de la life. Hein. C'est vrai que une pièce que je vous ai partagée, je l'ai déjà attrapée et dans le noir et dans le kaki. Mais en vous partageant les posts, j'ai trouvé ça, j'ai dit pardon, le 2 pièces des familles. La couleur. Et alors je vous le mets à l'écran, la culotte haute. En ce moment, j'aime beaucoup ces maillots. C'est étonnant que je les aime parce que je n'aime pas les traces de bronzage que ça génère, évidemment. Mais là, en termes de style, c'est magnifique. Donc, la culotte haute et le soutien. Performant. Porter, ça donne ceci. Il est évidemment décliné dans toutes les teintes. Il est bien sold out, mais peut-être qu'il va revenir. Mais s'il n'est pas disponible sur Amazon, je vous mettrai le lien directement du site de Cupshi. Ça, c'est folie, ça. Et c'est quali, hein. Parce que moi, je n'aime pas un maillot qui est beau 5 minutes et dès qu'on le lave, non. Donc, chimie ensuite, très rapidement, Amazon Essentials.
Les petits débardeurs couleur chair. Par Zanin. Même Zanin en société. Très mignon, je voulais mal écran, ils viennent parler de deux. Et la matière, c'est doudou. Donc je guette Tigre is on. Je n'ai toujours pas réussi à attraper ni la hoodie, ni le sweat à col rond. Chez l'homme, dans le kaki taille small. Dans Amazon Aware. Mais je continue de rester aware. D'accord. Donc voilà tout. Alors Iris et Lily London, une salve. Sont pas bon. Beaucoup de zulu. Plusieurs fois, je vous ai dit, allez filles, je ne vais pas vous les montrer. Et en fait, vous me dites, si, si, s'il te plaît, montre-les-nous. Donc, je commence par les petits stirlings. Les stirlings. Qui venaient donc par l'eau de Troyes. Je ne vous les mets pas à l'écran, je vous les montre. Très fort, maintenant. En Wattles. Bah, c'est la même chose. J'en ai pris 6. Ça va vous paraître crazy. Mais mes sous-vêtements, au bout d'un moment, je les jette. Je les jette. Et what else? Je me rappelle même plus de ce que c'est. Ah ben ça, c'est très formidable. Ah si, oui. Les culottes, tu sais qu'ils sont presque taille haute. Celle-là, pour le coup, je voulais mal écran. Mais là, j'hallucine de combien il y en a dans le paquet. Combien il y en a dans le paquet? Je voulais mal écran. Ça, c'est de la bonne kelota. C'est de la bonne kelota. Non, je ne peux pas vous dire les choses. D'accord, il y en a 2 à chaque fois. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Il y en a 10. Donc, 5 noirs. Et les blanches et crues. Ça, c'est très formidable. Avec tu vois. Moi-même, j'avais oublié. Ici, qu'est-ce que j'ai attrapé? Je pense que ce sont... Ah oui, j'avais attrapé un pantalon chez Amazon Aware. Lui, là, en bleu marine. Il n'est pas encore arrivé. Il a été plus ou moins égaré, j'ai fait une réclamation, j'étais censée l'avoir déjà reçu au moment de filmer cette vidéo, je l'ai pas reçu. Donc je vous fais la promesse de vous le partager en try-on. Ouais. Parce que là je m'en vais zoner tantôt, je pense que c'est lui que je vais prendre avec moi pour zoner. Donc, les débardeurs Iris et Lily London par lot de deux. Le noir et le blanc, on peut choisir les teintes. J'ai pris 2 lots, noir et blanc. Je vous dis la vérité, en ce moment, je zone que avec ça chez moi. Ça et les shorts, j'ai des shorts. C'est généralement soit mes shorts de sport, soit mes shorts de pige, en soi, bon gars. Et je zone, parce qu'il fait trop chaud. Une dernière, pas du tout, encore des calottes. Des ulupes. Ah oui, ah oui. Ben là, ce sont les, tu sais, les sous-vêtements sans couture. La dernière fois, je vous ai partagé les strings sans couture, toujours chez Iris et les London. Là, ils nous ont fait les petits mini shorties bien mignons. Oui ou pas? Oh là là, pardon, la finesse. Ça, c'est absolument invisible sous les vêtements. Je vous les mets là à l'écran. Donc, il y a dans le paquet, là, c'est pareil, il me semble qu'on pouvait choisir les teintes. Il y a 2 nudes, 1 blanc et 2 noirs. Mais bien sûr. Bien sûr. Check this. Ça, c'est très formidable. Ça, vous allez voir chez les distributeurs dont on a l'habitude. Body, je sais pas quoi, sloggy, une fortune. Donc je veux des vêtements de qualité en coton et tout, mais je veux pas y mettre une fortune. Et donc là, qu'est-ce qu'on a encore des stoolings? Ah ben j'en ai pas pris, si j'en ai pris 9 au final. Iris et Lily London, elle était à moins 20% pendant les Prime Days. Donc là, j'ai l'air crazy, mais moi, je sais que j'ai raison. C'est toi qui es dans l'erreur. Et qui va les payer pas l'impôt. Non, c'est pas si cher. Mais pendant les Prime, moi, j'aime un discount. Je prends un discount. 1 € est 1 €. Là, on a un petit trio gourmand de sterling aux fruits rouges. Birgundy, c'est le même, en Birgundy, en rosé et en noir. Je l'aime bien, je le connais bien, il est très confortable, il est beau. Monsieur, j'ai voulu mal l'écran. Et what else, avant de vous partager le partage, ce que j'ai attrapé massivement, et c'est plus ou moins, je l'avoue, du bijou. Je me suis pris le... Ah, mais il y a encore un slip. What else?
Non, mais là, par contre, c'est vrai que j'avais pas pris 9, j'en ai pris 12. C'est le même à chaque fois ou pas? Je l'aime vraiment beaucoup. Oui, alors je me suis pris là dans cette vidéo, je vous avais partagé chez Fossil le trio là de maroquinerie. Je vous l'avais partagé également sur Instagram. Non, c'était pas dans une vidéo, c'était sur Instagram. Et ben je me le suis pris en noir, il était soldé pendant les Prime Days. L'autre, je m'en sers déjà. Je vous raconte pas, je le prends avec mon trousseau de clés. Dans mon trousseau de clés, maintenant, ça devient vraiment Fort Boyard. Il y a le porte-écouteur de chez Ralph Lauren, il y a mon AirTag. Enfin, c'est mon trousseau de clés, je vous jure, c'est Fort Boyard. Mais c'est volontaire, en fait, parce que je supporte pas de chercher mes clés comme ça dans mon sac. Il faut que je plonge la main, je les attrape direct, tu sais. Donc, ça fait marrer tout le monde, on se moque de moi et tout, mais moi, je sais pourquoi je fais ça. Donc là, j'ai attrapé ça. Porte-carte, porte-monnaie, porte-la-chose, très en même. Donc voilà tout pour tout ce que j'ai attrapé, c'est très peu, mais c'est déjà, je suis contente, je l'ai dit, j'ai fait beaucoup d'achats de choses de la messe pendant les Prime Days, et puis c'était pas pour moi. Mais je me suis quand même attrapé du Swarovski, ce sont des produits qui étaient dans mon panier, bon, vous savez que j'achète beaucoup Swarovski, et que j'achète Swarovski exclusivement sur Amazon. Je vais pas dans le magasin, je ne sais pas. Donc là je me suis fait un kiff, ils étaient tous dans mon panier, ils ont tous été soldés. Donc dans un premier temps, c'est vrai qu'on est quand même parti sur une petite rivière de diamants. Pardon. Donc là, je vous les montre très sommairement, je vous les attache à l'écran, mais suivez-moi sur Instagram, je vais vous faire la même chose que les fois précédentes. Je me mets là et je fais le petit essayage, le petit, vous les voyez porter. Ça, c'est mignon. Ben, on n'est pas au niveau de... On n'est pas sur les réels, les vrais diamants. Ça, avec de vrais diamants, ça coûte, je sais pas, 90 000 euros. Voilà. Donc là, pour une fraction du prix, admettons que j'aille dîner quelque part, je porte vraiment quelque chose de très... Je skip les boucles d'oreilles, je me focus sur le... C'est pas que je les skip, mais je prends pas une boucle d'oreille en volume, je prends un clou. Et bien là, je mets le focus sur le neck. Il est magnifique. Donc je le remets dans la boîte. Ensuite, je me suis attrapée, il me semble, un bracelet également et des boucles d'oreilles. Ah oui, ça, vous allez le voir, c'est pareil dans cette vidéo que je vais tourner. C'est le cadre de ma Apple Watch Swarovski. Vous me verrez le faire. Vous me verrez l'habiller, ça change tout, elle a une différente bobine. Ici j'ai le bracelet, c'est pareil. Je vous le mets à l'écran. Vous me verrez le porter. Voilà. Et le dernier achat, me semble-t-il, oui. Là, ce sont réellement les boucles d'oreilles. Qui se font désirer, apparemment. Très bien, mignon. Elles vont aller parfaitement avec le collier. Je me disais, voilà, je vais mettre quand même quelque chose sur l'oreille, un rappel, mais très minimaliste. La boucle, je vous la mets à l'écran. Donc, voilà tout ce que j'ai attrapé. C'est la vidéo fashion la plus courte de l'histoire de la chaîne. Mais dans le même temps, c'est parfait. Et c'est vraiment tout ce que j'ai attrapé dans cet univers de la mode. Hein. Ce que je l'ai dit, c'est pas tout ce que j'ai attrapé tout court, mais c'était beaucoup des choses pour la maison. Des choses pour la maison, du petit électro, beaucoup de choses pour la cuisine et la chose. Donc voilà tout pour cette toute petite vidéo qui est la dernière vidéo de ce mois de juillet, les filles et les garçons, qui a été intense. Vous avez vu que mercredi, on s'est retrouvés. Donc, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je l'ai dit, je vous retrouve au moins les deux premières semaines du mois d'août. Parce que vous savez que je m'absente les deux dernières semaines du mois d'août. Peut-être que ça va mordre même sur la première semaine de septembre. Mais pour revenir à l'avant, je ne sais pas s'il y aura du content ou non sur la chaîne. En tous les cas, soyez rassurés. Je ne vous laisse pas tomber. Pour les deux premières semaines du mois d'août, il y aura des vidéos a priori. A priori. Donc pour l'heure, je vous laisse ici. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin des vôtres. J'espère que vous passez un bel été, que vous soyez ou non en vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, je vous renvoie vraiment à la vidéo de dimanche dernier qui dure 2 heures dans laquelle on papote et on rigole. Et les choses, et beaucoup de choses, vos choses. Donc, très très bel été à tous et toutes. De belles vacances si vous y êtes. Profitez. Et merci d'être avec moi pendant vos vacances. Et donc, je vous embrasse une dernière fois, moi. Et je vous dis à tout vite. Bye.